L'Imagine est le salon des créateurs et de l'artisanat d'art. Et cette année, il fête ses 40 ans. Pour les organisateurs, cette longévité est due à une certaine philosophie. On recherche vraiment un travail vraiment particulier. On met en avant des créateurs qui innovent, qui ont vraiment une créativité exacerbée. On cherche vraiment quelque chose d'unique à présenter à nos visiteurs. Un salon haut en couleur, où divers matériaux et matières sont travaillées avec des techniques particulières. Alors, j'utilise en fait des grandes feuilles de verre qui sont colorées dans la masse, dans laquelle je découpe différents morceaux pour former un motif. Je positionne les morceaux les uns à côté des autres et ensuite je mets tout ça dans un four et c'est fondu à 800 degrés par la chaleur. Donc on arrive à avoir une pièce avec une seule forme à la fin, à la sortie du four. Alors c'est en feutre. Donc justement, c'est là où intervient la méthode ancestrale, c'est-à-dire que je feutre la laine. Donc c'est une technique assez particulière qui va donner quelque chose de très chaud en laine et en même temps de très ludique parce que justement, c'est toujours réversible et les formes peuvent être modulables. Mais aussi, on y découvre de l'originalité. J'ai une ligne d'accessoires de mode qui se décline autour du principe de la bretelle. Donc il y a des modèles de bretelles comme vous avez derrière moi, que j'ai fait breveter maintenant il y a 2 ans, puisque cette forme n'avait jamais encore existé, qui sont très colorées, graphiques, autant pour hommes que pour femmes. En se promenant au long des allées, on trouve des idées cadeaux à tous les prix. Les créateurs et les artisans d'art seront présents au parc des expositions de Nîmes jusqu'au 11 novembre.